nous sommes rendus à l'étape où les bougies ou les mèches sont prêtes, ont été apprêtées. Et la maîtresse de maison, l'épouse, doit venir pour allumer. Comme nous avons dit, elle répare la faute de Hava qui a éteint la lumière du monde qui était Adam Arishon. Pour allumer, il faut une bracha. À propos de la bracha de Hadlakat Nerot, de l'allumage des bougies ou des mèches pour Shabbat, il y a une grande divergence. Il y a deux minagim. Maran, suivant Rambam, dit qu'il faut faire la bracha avant d'allumer. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvot ha-vitzivanu, lehadlik ner shel Shabbat. Et allumer. Mais le fait de faire la bracha et d'allumer, quand elle a fini d'allumer, elle a été mekabelet Shabbat. D'où, si jamais elle a encore l'allumette ou la mèche qui a servi pour allumer, il doit tout de suite la poser, qu'elle s'éteigne d'elle-même, elle ne doit pas l'éteindre. L'autre avis, qui est de Harama, et Harama, il le détient du Roche, et comme la communauté marocaine était souvent en contact avec le Roche, elle a pris pour elle le minag d'allumer et ensuite faire la bracha. Dans ce cas-là, quand on a allumé, on ne peut plus dire l'éadlik. L'éadlik, c'est-à-dire pour allumer. Elle a déjà allumé. Quel est le sens de la bracha? Le sens de la bracha, c'est qu'il faut tirer profit de la lumière. Pour qu'elle tire profit de la lumière, elle se cache les yeux avec les deux mains, n'est-ce pas? Et quand elle a fini la bracha, elle ouvre les yeux, elle regarde, elle a été née. C'est comme si elle avait fait la bracha avant. C'est exactement ce que nous faisons pour Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est quoi Netilat Yadayim? C'est avant de faire la netila, avant de mettre l'eau sur les mains, tu dois faire la bracha. Quand est-ce qu'on fait la bracha? C'est avant de se nettoyer, de s'essuyer. Et c'est considéré comme une bracha qui est ouverte à Siatan, c'est-à-dire qui est faite avant l'action elle-même. Alors, donc, les deux minagim, la bracha après l'allumage ou la bracha avant l'allumage, tiennent la route. Que celui qui a eu un minag qu'il fasse selon le minag de ses parents. Amen. Amen.